femme ici. Est-ce qu'il y a une femme ici qui a connu un homme qu'on appelait Mali? Mali. Elle est où? Venez. On l'appelait comment? Maline. Mali, il est où? Il a aidé. Venez. Jésus, merci parce que tu la délivres. Amen. Tu la bénis et tu l'honores au nom de Jésus. Amen. Je vous ai vu avec Mali. Et je vous ai vu et vous vous êtes croisés. Et vous vous êtes croisés et vous étiez avec une amie à vous. Et vous vous êtes croisés avec Mali. Et il vous a fait comme ça. Oh, un, deux, bam, votre cœur est tombé. C'est vrai, Daddy. Quand votre cœur est tombé, vous avez pris un autre rendez-vous où vous n'étiez pas trois, vous étiez deux. Et Mali avait le jean. Il avait un jean bleu avec une tennis. Vérité. Avec un tricot blanc, courte manche avec un dessin ici. Vérité, couleur noire. Vérité. Et je vous ai vu avec Mali. Et puis vous étiez comme ça, toute belle. Avec votre petite jupe noire. Vérité. Vous avez votre petite jupe noire avec votre chaussure. C'était comme les ballerines. C'était comme c'était ce Bordeaux, couleur Bordeaux. T'es in el lo besta ou de cafera. Et je vous ai vu, vous aviez, oh, oh. Et puis je vous ai vu, et puis vous marchiez, et vous causiez, et ils vous draguaient, et ils jetaient le maïs, et vous picoriez ce maïs, et puis un, deux. Et il vous a convaincu de venir habiter avec lui. Et vous êtes quitté, vous êtes allé dans sa maison, dans sa chambre. Et vous habitiez dans la chambre avec Mali. Can I do it? Do it! Vous avez pris vos affaires pour aller habiter avec Mali. Et vous êtes parti et vous avez pris les affaires et vous avez trois bagages. Il y avait un sac noir, un petit sac noir que vous aviez, que vous teniez avec la corde comme ça. Vérité, là, et il y avait les sacs, un sac plastique. Il y avait un sac plastique où vous avez mis les affaires. Vérité. Et il y avait un petit sac à main de couleur Bordeaux que vous teniez en main. Vérité, là, le jour où vous êtes entré dans la chambre de Mali. Vérité. Et vous êtes entré dans sa chambre, il y avait un lit en bois. Avec un petit matelas de 15 cm d'épaisseur. Vérité. Quand vous êtes entré dans sa chambre, il y avait quelque chose au sol, comme un jetflex. Comme un jetflex au sol. Comme un tapis. Et sur le mur, il y avait comme une photo affichée. Hein? Il y avait comme une photo affichée sur le mur. Il y avait comme une photo affichée. Vérité. Et vous êtes entré dans sa chambre pour habiter avec lui. Et je suis arrivé, j'ai vu, il y a un endroit où il avait plié les draps. Il y avait quatre draps quand vous êtes entré dans sa maison. Vérité. Il avait quatre draps. Vérité. Dans sa maison. Deux terres d'oreillers avec deux remplaçants. Vérité. Deux terres d'oreillers sur les oreillers. Il y avait deux terres. Qu'il utilisait, ça faisait quatre têtes d'oreillettes dans sa chambre. Vérité, quand vous êtes entré, il avait trois marmites dans sa chambre. Vérité. Avec une poêle, une vieille poêle, avec le manche cassé. Vérité, dans sa chambre. Vérité. Canaille oh. Professeur. Mathématiques prophétiques. Et quand vous êtes arrivé, le lit était dressé avec un drap fleuri. Vérité, elle a dit. Et vous lui avez dit, oh non, le drap, c'est un vieux drap. Oh, oh. Vous avez enlevé le drap fleuri, vous avez pris le drap blanc, tout blanc. Vous l'avez mis immédiatement dans le lit. Vérité, la première nuit où vous avez couché ensemble, c'était sur le drap blanc. Vérité, elle a dit. Entré dans la maison de Mali, il avait six plats dans sa chambre. Vérité, avec les cuillères,
qu'on puise la sauce avec deux. Vérité. Dans sa chambre, vous avez trouvé deux cuillères. Dans sa chambre. Il y avait un petit plastique où il y avait le cube Maggi. Le cube Maggi était déjà presque fini. Il restait 8 cubes Maggi dans sa chambre. Quand vous êtes entré, vous avez trouvé deux couteaux. Un couteau, le manche était caché, de couleur noire. Le deuxième couteau, c'est un couteau simple, avec le manche comme rose, quelque chose comme ça. C'est une elopeta ou des kafouri. Dieu m'a dit de vous dire ceci. Le démon qui a chassé tous les hommes qui ont voulu vous épouser, ce démon quitte. Le jour où vous vous êtes séparé de malice, il a fait des imprécations sur vous. Il vous a dit, comme tu pars, aucun homme ne va t'épouser. Je veux voir l'homme qui va t'épouser. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu des armées, le Père des esprits de prophètes. Maman, je vous pose une question. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous faire marcher librement aujourd'hui? Je crois bien. Je crois. Est-ce que vous croyez que vous pouvez être guéri complètement de toutes les maladies citées ici? Do you believe you can be completely healed from all these diseases? J'ai la foi. Ok, touchez mes genoux. Les genoux. Touchez mes genoux. Touch my knee. Touchez vos genoux. Touchez encore mes genoux. Touchez vos genoux. Vous savez pourquoi je fais ça? Do you know why you do that? La force dans mes genoux, dans vos genoux. The strength. Amen. Est-ce que nous appelons guérison par connexion prophétique? Levez vos baptistes maintenant. Levez-vous. Marchez. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus au milieu de nous. Amen. Sa présence est ici. Amen. Nos maladies sont ôtées par son sang. Amen. Si je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Toute maladie dans mon corps. Toute maladie dans mon corps. Est vaincue par le sang de l'agneau. Est vaincue par le sang de l'agneau. Maman, vous êtes contente? Are you très contente. Hein? Très. Qu'est-ce que ça vous fait? Ta joie. Vous savez qui vous a guéri? Do you know who healed you? Est-ce que vous savez qui vous a guéri? Do you know who healed you? Père Kani. Non. C'est Jésus. Jésus. Jésus à travers vous quand même. Père Kani, c'est juste un instrument que Jésus utilise. Oui, utilise. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous promettez à notre Sauveur Jésus-Christ? What do you promise to our Savior Jesus Christ? Je vais donner une langue pour pouvoir se servir. Qu'il en soit ainsi. Allez raconter à votre famille ce qu'il a fait pour vous aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Content pour vous. Nous avons parlé hier des généalogies de grâce de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, vraiment, moi je ne veux pas revenir là-dessus. On a parlé des généalogies. Les généalogies de grâce divine. Il y a des personnes, je vous dis, nous parlons de la grâce. Tout le monde connaît la grâce. Hein? Tout le monde parle de grâce. Maintenant, hier,
vous yes, avez découvert que quand on dit grâce, caritas, when you say grace, caritas, les caritas, caritas. Hein? Les caritas, caritas, en ce qu'on appelle les oikonomian, 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 les dispensations, dispensation, ou les administrations. Donc quand tu vois une grâce se manifester, elle a une famille. Donc ce que tu as compris, c'est que les grâces, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de grâces. There are so many graces. Mais ces grâces sont regroupées dans des familles, des familles, des familles. Ce sont ces familles qu'on appelle oikonomian en grec. Ça dit des dispensations, des saisons, des origines spirituelles, des âges spirituels. Donc quand tu vois une grâce, au lieu de convoiter les œuvres de cette grâce, entre dans la dispensation spirituelle de cette grâce. Et quand tu arrives dans la dispensation spirituelle d'une grâce, elle t'exige une manière de marcher avec Dieu. Et c'est quand tu vas commencer à marcher de cette manière que tu vas commencer à récolter ce que tu convoites dans cette grâce. Amen. Dans le christianisme, dans la vie de Dieu aussi, il y a des domaines que quand tu vas voir quelqu'un sortir de là-bas, toi-même tu diras que c'est la sorcellerie. Parce que c'est bizarre. Ça ne respecte pas ce que tu as connu. Ça ne respecte même pas ce qu'on t'a enseigné. Parce que même l'enseignement de Dieu est temporel. L'enseignement de la parole obéit à des âges spirituels. Ce que tu connais aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui, demain ne sera plus la même vérité. Ce que tu connais comme vérité à ce niveau où tu es, quand tu changeras de niveau, cette vérité sera obsolète. Elle n'existera plus, elle ne sera plus vérité. Donc ce qui est vérité pour toi n'est plus vérité pour une autre personne. Ça dépend de la dispensation dans laquelle tu fonctionnes. C'est normal que certains enfants de Dieu considèrent d'autres enfants de Dieu de sorciers, parce que la manifestation de la grâce que ceux-ci manifeste, ils ne la connaissent pas et elle est bizarre. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas d'explication. Et tu ne peux pas avoir l'explication tant que tu n'es pas entré dans la dispensation. Un élève de la SIL ne peut pas donner une citation philosophique juste s'il arrive en terminale et qu'il en donne. Je ne peux donc pas exiger à un élève de la SIL de me donner des citations philosophiques. Je suis fou. Et lui ne peut pas discuter une citation philosophique avec moi parce qu'il ne la comprendrait même pas. Lui, il est fou. Donc, nous sommes comme ça. D'autres sont comme ça. D'autres sont comme ça. D'autres voient ce que d'autres ne voient pas. D'autres entendent ce que d'autres n'entendent pas. D'autres manifestent ce que d'autres ne manifestent pas encore. On est tous enfants de Dieu, mais on n'a pas le même niveau spirituel. God, so, c'est aussi pour ça. Les grâces que tu manifestes sont conformes à ton niveau spirituel. Et ton niveau spirituel dépend de la marche que tu as avec Jésus. And your spiritual level depends on your work with Christ. Des sacrifices que tu fais, des séparations pour plaire à Christ. Il y a des choses que ton cœur aime. Ce que je veux dire, c'est un peu compliqué. Il y a des choses, des péchés que Dieu peut tolérer. Tu es un enfant de Dieu. On a child of God, le même péché condamne l'autre enfant de Dieu. And the other sin condemns another child of God. Est-ce que vous comprenez? Are you getting pourquoi it? La dispensation why n'est pas la même. The dispensation is not the same. Un nouveau converti, a young convert, qui avait sa concubine, that have his concubine, va venir à l'église. Will come to church. Dieu va patienter. God will be patient. Parce que sa parole se forme encore en eux. Because his word is still on leur enseigne la sanctification. They are still teaching them. Mais toi qui es déjà affermé, tu ne peux plus aller prendre une concubine. Ou un concubin, Dieu te condamnera. Parce que tu n'as plus droit à cette vie. Because you have no rights on this life again. Mais la brebis qui vient d'être convertie, the one that she just Dieu est patient envers elle. Mais toi, tu touches, Dieu te punit. But if you touch, God parce que vous n'avez pas le même niveau de compréhension. Because vous ne fonctionnez pas dans la même dimension spirituelle. You don't function the ta same dimension, dimension ne te permet pas de vivre comme ça. Your spiritual dimension plus sa dimension to live like that. Permet Dieu de supporter le temps que la parole soit formée et qu'il s'en sépare. Oui, on est dans 2 Corinthiens. Donne-moi ma tablette.
On est dans quoi? 2 Corinthiens, chapitre 12. Ça, le passage, si m'a troublé, je vous dis la vérité. Oui. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1, 9, il est écrit. Il dit, Kaukastai, Kaukastai. Il faut exploser dans l'orgueil. Kaukastai, c'est ça. Ça veut dire exploser. Boom! Dans l'orgueil. Il dit, où sont ferons, men. En grec, il dit, mais cela ne m'est pas profitable. It is not profitable for me. Il faut exploser d'orgueil. It's explosive of proudness, seated in his presence. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Now what is happening? On va lire c'est du verset 1 au verset 9. You read from verses 1. Mais je vais lire verset par verset. But I will go verses to verses. Là où je m'arrête, je continue à Yaoundé. Where I will stop myself, I continue à Yaoundé. Amen. Il dit, Kaukastai. Il faut exploser d'orgueil. It is not expedient. Dès où? Sum feron men, mais cela ne m'est pas profitable. For me, thou lets to glory. Et dit, Eleus somai, de eis optasias, kai apocalypseis curiu. Et dit, mais cependant, je parlerai des. En français, on dit des visions, c'est ça? Amen. Hein? Oui. Et dit, kai apocalypseis. Et des révélations curieux du Seigneur. Maintenant, regardez. Lis encore en français. Je vais expliquer deux mots aussi. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Il dit où sont ferons men. Et les où sont maïdeis optasias. Optasias. J'en viendrai où je parlerai des optasias. Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu? Qui es-tu en réalité? Il dit, elle est au sommeil de Eis, Optasias. Mais je parlerai des Optasias. Optasias, en grec. En français, on dit des visions, mais en réalité, c'est pas riche comme en grec. Optasias, en grec, veut dire voir. In Greek means le royaume de Dieu. See the kingdom of God avec des yeux nus. With naked eyes. Optasias en grec signifie. Optasia means in Greek. Vous voyez que les anges sont invisibles, non? You know that the angels Optasias are invisible. Optasias en grec veut dire quelqu'un qui voit les anges, comme je te vois là. Optasia in Greek means il voit les 24 vieillards. Il voit les roues. Elders. Il voit les séraphins. C'est quelqu'un qui a vu le trône de Dieu. Il a vu Dieu assis sur son trône. Il a vu les anges. Toutes les familles du ciel. Paul dit qu'il les a vus de ses propres yeux. Tu vois que quand tu lis en français, tu ne vois pas ça comme ça. Tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Optasias veut dire quelqu'un qui voit le règne de Dieu de façon ouverte. Paul est en train de dire que s'il fallait être orgueilleux, il serait orgueilleux. Parce que lui, Paul, a vu le royaume de Dieu. Paul n'a pas vu les anges en esprit. Il voyait comme je te vois. Il voyait Christ. Il voyait les anges. Il voyait les 24 vieillards. C'était une habitude chez lui. Il les voyait visiblement. Optasias. Le voile était enlevé de ses yeux. L'homme voyait dans le royaume de Christ. Il voyait ce que nous ne voyons pas. Imaginez-vous quelqu'un comme celui-là à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir le royaume de Dieu, son règne, pour voir le trône de Dieu, pour voir les roues. La même chose que l'apôtre Jean a vu. Paul a vu les mêmes choses. Quand il priait, le ciel s'ouvrait et il avait des obstacles et il voyait Dieu. Il voyait le Seigneur de gloire. Et il voyait les anges. Il voyait les 12, les 24 trônes. Les 24 vieillards autour du trône de l'Éternel. Et il voyait les roues. Il voyait les séraphins. Il voyait les chérubins. Il connaissait personnellement Gabriel. Il connaissait l'archange Michel. Il les connaissait par expérience. Mais